ONDRP. ONDRP. C'était un institut de sondage. Alors vous allez me dire, encore un. Alors, que Matignon décide de le supprimer, bah ouais, ça fait un de moins de gens payés, moins de. Voilà. Sauf que nous, les féministes, nous, ça nous inquiète. Ça nous inquiète parce que c'était eux, qui faisaient, eh bien, qui enquêtaient, qui, par rapport aux violences faites aux femmes. C'est grâce à eux, enfin, ouais, c'est grâce à eux qu'on avait les chiffres. Le plus vrai possible. Notamment grâce à eux. Et Édouard Philippe, monsieur le Premier ministre, a décidé de le supprimer. C'est-à-dire que à partir de fin 2020, on ne saura plus. On ne saura plus combien de femmes sont victimes de violences. Combien de femmes meurent de ça. À part, en faisant comme un petit groupe, et toi, t'es en train de faire, eh bien, en regardant dans les journaux. Il n'y aura plus de sondage, plus de. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pas supprimer les preuves que ça se passe. C'est d'arranger le problème. Bah oui. Tu supprimes. On saura. Moi, on sera obligé. Non, si on le saura, mais. Mais il faudra que. Qu'on s'en sert. Il faudra que qu'on aille voir les journaux. Il faudrait que. Voilà. Ça sera dû à peu près. Tous les sondages, c'est dû à peu près, nous sommes d'accord. Mais ce chiffre était important pour nous. Ça nous donnait, c'était un bagage qui nous donnait. Eh bien, on pouvait aller voir et dire, hey, regardez les chiffres. Regardez les chiffres. Faites quelque chose. Ils suppriment les chiffres. Pourquoi faire quelque chose? Alors, ils vont tenter de faire quelque chose après le Grenelle. Mais tenter quoi? Tenter quoi? On a tellement de rumeurs pour l'instant. On verra. J'attends le 25 novembre. S'ils disent que ça s'arrête le 25. Les décisions seront prises le 25. Il serait temps. Je vous rappelle qu'on est quand même à 120 femmes mortes. Le chiffre de l'année dernière. L'année dernière, en décembre, c'était 121 femmes mortes par féminicide. Assassinées par leurs compagnons, leur mari, leur fiancé. L'année dernière, 121. Là, nous sommes fin octobre. Mi-octobre, pardon. Il y a déjà 121 morts. Moi, je dirais qu'il faut qu'on s'arrête là. Hein? Sauf que c'est pas moi qui décide, sinon j'aurais arrêté bien avant. Voilà la critique pour ONDRP. La suppression est finie. Triste, n'est-ce pas? Je vous donne à toutes et à tous rendez-vous pour une prochaine critique. Très bientôt.